Se le rappeler, on n'a pas 10 ans, 15 ans, 20 ans à attendre. C'est maintenant qu'il faut faire des changements très importants. Ce n'est pas le choix entre réduire les gaz à effet de serre et s'adapter. Les deux sont importants, mais il faut s'adapter de la bonne façon. Madame Luce Balthazar, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur d'Attide, ça fait plaisir. Donc, vous êtes engagée en environnement depuis 35 ans. Euh, vous enseignez l'éducation relative à l'environnement à l'Université du Québec à Rimouski. Vous avez reçu cet été euh, l'hommage aux femmes en environnement 2019. Exactement. Vous êtes directrice générale du Creux Bas-Saint-Laurent depuis le milieu des années 80. Oui, le Conseil régional de l'Environnement. Quand on parle de crise climatique, de quoi on parle exactement? Ben, euh, au départ, c'est une hausse de la température à l'échelle planétaire d'environ 1 degré. Euh, mais ce degré-là a, a entraîne beaucoup, beaucoup d'impact au niveau de, euh, du climat, des, des règlements climatiques. Euh, on va parler de changement climatique. Ça, par exemple, peut entraîner des sécheresses importantes, des inondations importantes. On va voir dans le bas-Saint-Laurent des risques côtiers, euh, donc des débordements au niveau de, 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 du, fleuve, du fleuve quand il y a une tempête ou bien une hausse des niveaux des océans. Euh, ça entraîne des changements au niveau de l'environnement naturel, des ressources naturelles. Donc, c'est toute notre économie aussi qui est affectée par ce changement climatique-là. Or, c'est un simple degré qui entraîne beaucoup de modifications, qui change même le milieu naturel des humains, parce que nous, on, on est adapté à un certain climat euh, et les différentes ressources euh, qui, euh, duquel, autour desquelles on, on survit, on, sait, on exploite, euh, on se développe. Alors, tout ça est en train de changer présentement. Puis, on connaît le début, mais pas le la fin. On sait pas jusqu'où ça peut aller. Si vous revenez à l'origine de votre engagement pour cette question là, qu'est-ce qui, qu qui est le déclencheur Parce que c'est pas tout le monde qui a ce déclencheur là, ça vient de où ben, je peux pas identifier un déclencheur. J'ai l'impression que c'est instinctivement en moi là. Je remonte le plus loin possible. Euh, et puis ça a toujours, j'ai toujours porté ça, cet intérêt-là et ce désir-là. Il euh, n'y a pas eu de, de personne importante ou de lecture importante. Je peux dire que là où j'ai compris, je l'ai vraiment consacré ma vie à l'environnement. C'est en ouvrant le premier guide fleurbec, en identifiant ma première plante, euh, j'avais peut-être 14 ans ou 15 ans que j'ai compris que ça m'intéressait assez pour y consacrer ma vie. Euh, dans ce temps-là, on parlait de la nature, puis de connaître la nature, puis peu à peu, on a compris qu'il fallait la protéger. On appelait ça la nature, non pas l'environnement. Euh, donc, c'est venu euh, très naturellement. Il n'y a pas eu de, de, de déclencheur. Euh, ça me semble euh, euh, pratiquement instinctif dans ma vie. Mais c'est sûr, ça doit remonter à ma très jeune enfance. Euh, mais euh, ça a toujours été là. Si vous retournez 35 ans en arrière, l'histoire de votre engagement en environnement, euh, avez-vous l'impression qu'on on avance pas, qu'on qu ne fait pas de progrès? On a progressé, puis j'ai quelques, quelques exemples à l'esprit. Par contre, les problèmes se sont aggravés. Euh, on peut dire qu'on connaissait mal les problèmes de 30 ans, mais c'est vrai qu'est apparu la question du changement climatique. Et même si j'aimerais parler d'autre chose que ça, c'est tellement urgent, c'est tellement euh, euh, une catastrophe d'ampleur quand on parle du réchauffement climatique que, lui, euh, je n'ai jamais senti un, un aussi fort sentiment d'urgence qu'avec le climat. Euh, toutefois, euh, si remonte 35 ans en arrière, euh, regardons la récupération. Même si on parle de crise de, 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 de gestion des matières résiduelles au Québec, on est parti vraiment de loin. Il euh, y a pas si longtemps, euh, c'était seulement des apports volontaires là, pour la récupération. On récupérait très peu, on compostait pratiquement pas au Québec. On n'était pas sensibilisé à l'achat local, l'achat biologique. Alors ça, il y a eu des grands progrès. Il faut peut-être voir sur quelques décennies pour s'en rendre compte, mais oui, il y en a eu, euh, mais la, la gravité des, du problème climatique euh, et tout ce qui l'entoure, il n'y a pas juste le climat, mais il y a un impact sur la biodiversité, sur les espèces animales et végétales, euh, fait qu'il y a une évolution, mais en même temps, c'est plus préoccupant aujourd'hui qu'auparavant. Qu donc on avance lentement, mais de votre point de vue, on avance. Euh, il y a beaucoup d'écologistes qui, moi j'en connais personnellement, qui se brûlent à se battre sur la question écologique parce que euh, les choses avancent pas rapidement. C'est quoi votre secret à vous pour garder espoir Oui, ben je, je connais aussi beaucoup d'écologistes qui se sont brûlés. Euh, et puis euh, faut avoir une certaine résilience personnelle. Là. Euh, faut, euh, euh, faut. En tout cas, pour moi, il y a toujours euh, un, un certain espoir à. C'est-à-dire que rien faire, pour moi, c'est aller dans le mur. Euh, c'est peut-être ça ma motivation première, c'est qu'il faut faire quelque chose pour éviter ce mur-là, même si les chances euh, sont de moins en moins <coughs> grandes euh, à cause du réchauffement climatique. Euh, mais aussi de ne pas vivre ça trop émotionnellement, euh, évidemment, parce que ça, ça peut être très difficile. Des confrontations peuvent être euh, vraiment difficiles, même sur le plan personnel. Là. Je me suis retrouvée souvent avec euh, des gens de l'industrie forestière. Avec des grandes. des gouvernements ou des acteurs régionaux, municipaux euh, qui nous regardaient vraiment. On n'a pas toujours une bonne presse, euh, des écologistes. Donc, il faut vraiment être intérieurement très convaincu, très solide. Et souvent, ce que je dis avec mes partenaires euh, ou les, les gens qui travaillent avec moi, euh, une des choses à apprendre dans, pour être écologiste, c'est une certaine patience. Euh, parce que si on est trop impatient, euh, c'est sûr que d'un côté, c'est urgent, mais en même temps, il faut avoir une certaine patience ou une façon de vivre cette urgence-là qui fait que ça affectera pas notre vie personnelle, ça ne nous empêchera pas de dormir la nuit, puis on ne vivra pas trop agressivement là, toutes les difficultés là, qui se présentent à nous. Le fait que ce soit une crise a amené une prise de conscience plus importante, une mobilisation plus importante. Or, le problème étant plus grave, ça a entraîné plus de personnes à être informées, à se mobiliser, à participer à la recherche de solutions et à sensibiliser euh, les gouvernements, par exemple. Peut-être que ça amène à réfléchir, à se poser plus de questions. Euh, sur nos actions comme consommateurs, euh, euh, par exemple, je pose la question, si c'est une production locale ou pas. Euh, J'aime bien prendre l'exemple de l'épicerie où on achetait sans regarder la provenance ou la façon de produire ces aliments-là, mais euh, force d'admettre que euh, c'est pas assez. Il euh, y en a qui s'interrogent de plus en plus, mais est-ce que ça représente une proportion suffisante dans la société pour faire un changement? Euh, pas encore. Alors, euh, ça commence tranquillement, mais on revient toujours à l'idée d'urgence. Et on ne peut pas aller tranquillement dans cette question-là. Fait qu'il faut euh, toujours euh, avoir des efforts euh, qui doivent être de plus en plus intensifs. On sait que euh, le réchauffement climatique va être visible ou perceptible euh, d'abord dans des régions comme la l'Afrique, mettons les, les régions équatoriales où euh, les sécheresses, les épisodes de sécheresse augmentent, par exemple. Ici, dans le Bas-Saint-Laurent, on pourrait dire que les choses n'ont pas tellement changé, ne sont pas tellement perceptibles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le Bas-Saint-Laurent, le réchauffement de la planète? Il faut dire d'abord que quand on parle du réchauffement, au contraire, les pays nordiques peuvent être plus touchés. Mais euh, si on parle du réchauffement dans la Tundra, par exemple, ça affecte moins de gens. Il y a des questions de... C'est pas qu'on est moins touché, mais souvent, il y a moins de gens touchés. Euh, dans le Bas-Saint-Laurent, ce qui saute aux yeux, c'est vraiment les risques côtiers. Euh, les risques côtiers, c'est deux phénomènes, c'est-à-dire l'augmentation des tempêtes qui amènent de l'érosion. Euh, et là, vraiment, toutes les communautés du Bas-Saint-Laurent, une grande partie des communautés bah, anciennes, en fait, dans tout l'Est du Québec, qui vivent le long du fleuve, c'est normal. Alors, ils, sont, ils commencent à être euh, très affectés, puis on se demande combien de temps encore la route, la 132, euh, va résister. Alors, il y a d'une part l'augmentation de la force et de l'intensité des, des tempêtes, puis ça, c'est mesuré, euh, et puis également la hausse du niveau des océans. Donc, tranquillement, mais irrémédiablement, c'est pas quelque chose qui, qui, euh, qui arrive, euh, c'est pas. Euh, c'est irrémédiable, là, Ça en continue... Euh, le Saint-Laurent, le, les océans montent, donc une partie de l'eau qui va rejoindre euh, effectivement la 132 fait que, et toutes les communautés qui vivent le long du Saint-Laurent. Il y a des communautés très touchées, très affectées par ça, puis ça demande combien de temps encore leur village euh, ou l'accès à leur village euh, va durer. Alors euh, c'est le problème le plus important qu'on peut voir au bas Saint-Laurent, qui éclipse un peu les autres, mais il y a d'autres problèmes. Comme nous, on est une région fondée sur l'exploitation de ressources naturelles. Donc, forêt, agriculture, pêcherie. Or, si je prends seulement ces trois grands domaines-là, euh, oui, ça va complètement changer notre économie. Euh, nos façons de faire du prélèvement, nos façons de cultiver, de, 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 de couper des arbres ou de pêcher. Euh, il y a des nouvelles espèces éventuellement qui vont arriver, ou d'une nouvelle essence d'arbres. Alors, il va falloir s'adapter. Euh, par contre, on peut craindre qu'on n'ait pas le temps suffisamment s'adapter quand le réchauffement va s'opérer. Euh, c'est un peu. Euh, on nage un peu dans l'incertitude, bien, en fait, beaucoup dans l'incertitude. Ça fait que ça prend beaucoup d'acquisition, beaucoup de recherche et d'acquisition de connaissances. Est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse collectivement s'adapter? Euh, je, je, je pense aux municipalités, par exemple, qui font appel au gouvernement fédéral pour dire mais on va avoir besoin de sous pour transformer nos, nos infrastructures éventuellement est-ce que c'est là qu'il faut investir dans l'adaptation au changement climatique Bien, ça dépend comment on définit l'adaptation. Ça veut dire faire des murets, puis euh, c'est une forme d'adaptation qu'on qu n'endose qu pas, nous. Euh, c'est plutôt de ramener au naturel euh, le, bord, le bord des cours d'eau. Donc, on va parler de, de, de créer des plages ou de recréer des, euh, des milieux humides. S'adapter, ça peut vouloir dire d'arrêter de construire le long du Saint-Laurent ou des cours d'eau. Euh, donc, il y a beaucoup de définitions. Il à... y a des bonnes, et des, fa... des bonnes et des moins bonnes façons de faire pour s'adapter. Et nous, on va orienter vers les bonnes façons donc s'éloigner, respecter euh, les bandes riveraines, le littoral, euh, arrêter de construire là et même de la recréer des, euh, parce qu'on serait beaucoup plus euh, conciliant, euh, pas conciliant, mais on, serait, on pourrait facilement, plus facilement s'adapter s'il y avait plus de milieux humides et de plages. Euh, Puis là, euh, s'adapter, oui, mais il faut continuer à réduire. C'est n'est pas le choix entre réduire les gaz à effet de serre et s'adapter. Les deux sont importants, mais il faut s'adapter de la bonne façon. Laisse le climat augmenter, puis qu'on dépasse les 2 degrés, puis qu'il y a un effet d'emballement. Qu'est-ce qui nous euh, attend, encore une fois, ici dans le Bas-Saint-Laurent, du point de vue de la biodiversité? Oui, mais la biodiversité, on va dire, c'est la, la crise cachée par la crise climatique parce qu'il y a un gros impact. Euh, on peut s'attendre donc à ce que des espèces plus du sud vont aller vers le nord. Euh, quand on regarde les prévisions sur 50 ans, 100 ans, on se rend compte qu'il va y avoir une forêt équivalente à celle de Montréal vis-à-vis -vis, euh, Rimouski peut-être. Donc, il euh, y a des espèces qui vont passer du sud vers le nord, mais ce ne seront pas toujours les bonnes espèces. Il y aura peut-être des, euh, des insectes qui vont accompagner ces espèces-là qui vont être nuisibles. Alors, on peut s'attendre à un grand changement, euh, surtout ce qu'on appelle le cortège. Donc, peut-être des feuillus vont monter, mais avec les feuillus, des champignons, des insectes, euh, de la faune qui va l'accompagner. Il peut y avoir beaucoup d'espèces de, nuisibles. Peut-être dans un siècle ou deux, ça va se, se il, va, il y aura un équilibre. Mais ce passage-là, on ne sait pas trop très bien comment ça va se faire. Ça va vouloir dire aussi qu'il y aura une importance plus grande. Les aires protégées deviennent plus importantes dans ce contexte-là, parce que ça nous prend. Des témoins, euh, ce qui représente la, la, la nature telle qu'elle est maintenant. Pour pouvoir faire la recherche, il faut avoir un témoin. Et euh, ce qui devient de plus en plus important, au niveau vous devez protéger, c'est aussi ce qu'on appelle la connectivité, les liens entre les massifs de, de forêts naturelles, par exemple, pour que les espèces puissent monter euh, vers le nord. Alors, ça va être euh, c'est les enjeux là, qui nous attendent euh, par rapport à la biodiversité. En gros, quand même, il faut dire, même s'il y a des espèces plus du sud qui vont monter, ce ne sera pas nécessairement les espèces qu'on va désirer, par des espèces indésirables au travers de ça, euh, puis ça peut amener plusieurs complications. Peut-être qu'on aura besoin de plus de pesticides qu'on en a, qu'on en utilise présentement en agriculture, par exemple. Bien, les politiciens euh, sont mis à avoir des belles paroles, des beaux programmes euh, qu'on aurait rêvé à écouter et lire euh, il y a dix ans. Euh, mais c'est les actions qui ne suivent pas. Puis je dirais que c'est une demande euh, qui est répétée à chaque élection. Passer aux actes, arrêtez de dire que vous allez lutter contre le réchauffement, euh, faites les actions concrètes, réelles, qui vont faire un vrai changement. Or, c'est ce qui se passe au niveau des, euh, des décideurs. Ils essaient de faire, euh, de satisfaire tout le monde, mais au bout du compte, euh, ça avance pas concrètement. Sans vouloir culpabiliser qui que ce soit, du point de vue générationnel, puisque vous avez une perspective que je j'ai pas, puis que les jeunes de 20 ans ont pas encore moins que moi, euh, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes d'aujourd'hui sont plus conscients et vont nous faire progresser plus vite que votre génération euh, Oui, j'en ai l'impression, mais euh, c'est pas, je trouve ça aussi, je trouve qu'on s'en sert un peu comme un prétexte pour se ce... Euh, pour pas. Euh, parce que c'est tellement urgent qu'il faut pas attendre que les jeunes deviennent des décideurs de demain. Mm -hmm. euh, puis, euh, on croyait à la jeunesse. le 30 ans, on disait ça les jeunes vont sauver l'environnement. le 20 ans, on le disait. 10 ans, on le disait. C'est un je peu le un lieu dit, commun. Hein? Exactement. Je le dis plus parce que je me rends compte. Oui, je suis contente. De, je pense qu'une mobilisation, on n'a jamais vu sans précédent euh, des jeunes. Euh, puis, peut-être, effectivement, ils vont faire la différence. Mais dans combien d'années Quand est-ce qu'ils auront vraiment. Euh, le pouvoir de le faire. Parce que pour l'instant, c'est des gouvernements, c'est des entreprises surtout, où c'est une population importante qui est vieillissante, mais qui est quand même euh, très importante au Québec. Les euh, autres, ils vont continuer à... Euh, le problème va se continuer. Et c'est la notion d'urgence, moi, qui, fait, qui, qui donne un, un autre... Euh, un point de vue. Il faut toujours se le rappeler. On n'a pas 10 ans, 15 ans, 20 ans à attendre. Il y en a qui parlent, la technologie va nous sauver. C'est pas vrai, on n'a plus 10 ans, 20 ans c'est maintenant qu'il faut faire des changements très importants. Donc, c'est les décideurs, ceux qui ont créé le réchauffement climatique, les et qui ont le pouvoir de faire les changements, c'est à eux que ça doit revenir. Fait que les jeunes, oui, ont le bon message, mais arrêtons de dire que autres vont nous sauver. Il faut qu'ils nous envoient le message, vous, arrangez-vous pour nous sauver, nous. Ils le disent, mais euh, j'entends trop d'adultes, de personnes plus âgées qui disent « j'ai confiance en la jeunesse ». Et puis ça, bien, je suis devenue peut-être un peu allergique à cette expression-là. De l'autre point de vue, on entend aussi beaucoup les jeunes dire à leurs parents ou à leurs grands-parents « C'est vous qui avez causé le problème. » Puis en plus, il y a peu de solidarité parce que les ficelles de notre société sont tirées par les gens de d'autres de, de, de générations, oui. des gens plus vieux. Je pense au cœur du problème, c'est la société de consommation, c'est euh, l'argent. Euh, donc, c'est à ça qu'ils ne veulent pas renoncer ceux qui ont le pouvoir. Euh, puis, euh, ben, je pense que les jeunes ont, ont raison de le dire. Euh, et puis, faut, euh, euh, il faut que les gens qui ont ce pouvoir-là, euh, en prennent conscience, réalisent. Il y en a de plus en plus, puis c'est quelque chose qui va en s'améliorant, en vieillissant. Puis ça, encore une fois, ça fait très longtemps que je vois ça, ce phénomène-là. Les personnes plus âgées, les grands-parents sont plus solidaires des jeunes sur la question environnementale. J'ai vu des gens qui ont été très puissants au Québec, euh, qui ont été des adversaires politiques bien importants pour l'environnement et pour moi, et qui ont pris leur retraite, ont changé complètement leur discours. Euh, c'est vraiment la classe active là, qui est le problème. Puis cette classe-là... Euh, qui euh, consomme beaucoup, il veut pas arrêter de consommer, qui euh, souvent je veux dire c'est un peu comme le c est, c est... C'est étrange à dire, mais c'est un peu comme le côté sombre de la révolution tranquille, parce que ce que font ces personnes-là, c'est pas ce que leurs grands-parents faisaient. Les grands-parents avaient pas un sens du gaspillage comme les adultes euh, ou en tout cas une certaine couche. On parlait de, des baby-boomers, mais c'est plus large que ça. Euh, donc, gaspillait pas comme ça, ils ménageaient, Je donnais, donnais des cours à, euh, sur l'écologie au quotidien, puis euh, arrêter de gaspiller, récupérer, recycler. Puis on me disait souvent, ce que ce que je recommandais de faire, c'est ce que leurs parents faisaient. Alors c'est vrai, on n'était pas comme ça. Puis avec la révolution tranquille, il y a toutes sortes d'avantages, aussi économiques très important au Québec, mais en même temps, c'est là qu'est né une espèce de sens de gaspillage, d'utilisation des ressources. On a la forêt à perdre de vue, on a de l'énergie autant qu'on veut, n'est pas cher, on a, on fait, on a de l'eau, euh, on a pris conscience de ça, on a voulu être maître d'œuvre, avoir plus de pouvoir sur l'exploitation de ces ressources-là, mais en même temps, on est devenu plus gaspilleux. Euh, dans le top 5 mondial, per capita, du gaspillage d'énergie, de ressources, euh, de production de déchets, on est dans les pays, euh, les, les, les États les plus, euh, qui ont la plus grande empreinte écologique. Donc, ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas tellement avant les années 60. Je ne dis pas, il faut revenir à ces années-là. Je veux juste dire qu'il une mentalité à re, euh, remettre au goût du jour, à revaloriser, qui était celle de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Il y a des jeunes militants, on l'entend de plus en plus, je pense... Entre autres, à Sarah, mon petit, qui était un peu la, à la tête du mouvement La planète s'invite au Parlement, qui se sont mis à dire Nous, on ne fera pas d'enfants, on ne veut pas d'enfants. Qu'est-ce que ça dit sur nous, ça c'est pas nouveau j'entends ça. Euh, on a dit entre autres que les gens ne devaient plus faire d'enfants, ils devaient tous rester en ville pour éviter les déplacements. Euh, oui, c'est une façon de voir, mais en même temps, euh, s'il n'y a plus d'enfants, euh, où est l'avenir euh, Et puis, on va avoir besoin de ces enfants-là pour euh, se reconstruire ou euh, continuer euh, la bataille. Donc, c'est pas pensable pour moi. Il n'y a pas d'humanité qui se poursuit sans, sans enfants. Puis, je pense pas qu'il faut déserter les régions pour tous rester en ville. Puis là, je donne seulement ces deux exemples-là. Fait que oui, ce genre d'idée-là. En général, euh, j'ai constaté, en général, euh, que ça, ça se modulait au fil du temps. Les personnes qui disaient ça plus jeunes euh, venaient à, à être plus modérées. Euh, c'est peut-être un point de vue un peu extrémiste, très jeune. Euh, mais je les comprends. Puis ça fait quelques, quelques générations qu'on entend des, euh, des suppositions comme celle-là. Mais c'est une chose qu'on entend, il me semble qu'il est un tabou, mais qu'on entend euh, de plus en plus souvent, pas juste des plus jeunes, de dire ⁇ faut Arrêter de faire des enfants, est-ce que vous pensez que c'est une, une solution Non, absolument pas. Je vois pas comment. Euh, si on... Il y a juste des vieux. Et la, la, la pente, euh, on... pas la pente, mais le, la pyramide est de plus en plus euh, inversée. Euh, c'est pas viable comme société. Là. Euh, il faut contrôler, peut-être. Au contraire, il faut contrôler le nombre d'enfants sur la planète ou la, la natalité au niveau de la planète, mais pas une pyramide, une pyramide inversée. Pour moi, c'est un, un non-sens, même pour les Personnes âgées. Donc, pour moi, une société n'a pas d'avenir, si la pyramide est inversée. De la même façon, je ne vais pas faire de comparaison odieuse, mais c'est la même affaire au niveau des espèces animales. Quand il euh, n'y a presque plus de. Il y a seulement des adultes, puis presque plus. Euh, on parle des belugas, Le problème des belugas, un des problèmes, il y en a eu plusieurs, c'est qu'il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de recrutement. Ben c'est un peu la, la même logique qui peut s'appliquer au niveau des humains. S'il n'y a plus de jeunes, euh, c'est voué à. Euh... À là, à... c'est un problème pour moi. Là. Je pense que ça change. Euh l'analyse la, des générations plutôt. Peut-être pas à l'intérieur de la génération, mais comment les jeunes voient les personnes qui sont euh, plus à la retraite euh, ou les personnes qui sont plus euh, dans... qui sont plus actives, euh, qui sont des décideurs, euh, qui sont les gouvernements. Donc, je pense que ça change une compréhension, une connaissance des euh, générations. Euh, ce qu'on peut constater, puis si on le voit depuis longtemps, mais il y a de plus en plus de personnes qui prennent leur retraite et les gens à la retraite. Euh, euh, écoute plus les jeunes qui sont préoccupés par l'environnement. Or, c'est ce que je peux voir et je vois que ce phénomène est grandissant. Plus il y a de jeunes sensibles à l'environnement, plus il y a de personnes qui vont à la retraite, plus il y a une communication entre ces deux générations-là mais ça fait que ça là euh, ça, on en parle davantage dans les écoles bien entendu et on vient de, de citer une année euh, charnière je dirais, dans le mouvement environnemental et surtout dans le mouvement des jeunes en environnement donc ça a amené euh, plusieurs écoles à sensibiliser à marcher dans les rues à faire euh, des actions euh, au niveau local alors euh, oui cette, euh, cette urgence climatique là a éveillé beaucoup les consciences et a amené euh, ils sont tellement éveillés tellement conscientisés que c'est naturel de poser des actions positives. Vous avez, je vous avais demandé d'apporter une lecture qui vous inspire euh, ou à laquelle vous retournez une fois de temps en temps. Est-ce que vous voudriez nous, nous en faire la lecture? Oui. Et nous en parler? Bien, moi, pour faire le, le petit bout, je vais lire, ça prend un certain contexte. Euh, C'est quelque chose que j'ai lu, souligné, euh, j'avais 16 ans peut-être. C'est la Mélenchie de Jacques euh, Ferron. Euh, parce que pour moi, ça symbolise beaucoup le passage entre... Euh, ma jeunesse de citadine montréalaise, vers la vie rêvée que j'avais, qui était de m'installer euh, en région, puis consacrer euh, ma vie, euh, mon travail, mes études, mais aussi mon quotidien dans l'environnement, la nature, comme on l'appelait à ce moment-là. Et dans ce livre-là, c'est l'histoire justement d'une jeune fille qui, euh, dont le père, euh, qui est l'auteur, c'est très autobiographique. autobiographique. Euh, donne une image, euh, il magnifie beaucoup le quotidien, euh, le, la, la nature euh, sur le bord du lac Saint-Pierre. Euh, il appelle ça le beau côté des choses. Euh, donc, c'est une façon de voir euh, très mythique euh, l'environnement. Et puis plus tard, bien, elle devient adulte, puis elle va sur le bord du lac Saint-Pierre, qui avait été magnifié par son père. Et je peux lire ce petit bout de passage-là, euh, mmh. quand elle voit la réalité. Euh, encore une fois, ça a été euh, c'était en 77, je pense, j'avais 16 ans. Euh, D'ailleurs, nous pouvions apercevoir le fleuve et mieux valait rester à distance. Si nous avions pu descendre sur la grève de cette merveille de la nature, nous aurions constaté que le majestueux Saint-Laurent était gras d'eau de vaisselle, qu'il puait, égout à ciel ouvert, égout de tous les égouts du haut et du bas Canada. C'est ça qu'elle découvre par rapport au pays merveilleux. Elle appelait ça la mer des tranquillités, cet endroit-là, c'était le, le lac Saint-Pierre. Puis quand elle devient adulte, elle va sur le bord du lac Saint-Pierre pour la première fois, elle tombe du mauvais côté des choses et c'est ce qu'elle voit. Mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, pour moi, ça a une valeur très symbolique, ce livre-là. Ce que vous venez de nous lire, c'est assez dur quand même. Il euh, y a cette vision magnifiée de la nature, puis il y a les réalités. Est-ce que c'est une utopie de continuer de se battre pour la nature sauvage? Bien, euh, la nature sauvage, il faut aller dans le Grand Nord pour la, la retrouver vraiment. Mais euh, non, si c'était le cas, euh, j'arrêterais. Si je ne croyais pas en ce que je faisais, que ça pourrait aboutir à. Euh, une amélioration, euh, je le ferai pas. Mais euh, c'est beaucoup de travail. Puis plus on, on, plus on en connaît un en environnement, on dit ça souvent en sciences dans plusieurs domaines, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh, donc, c'est un travail qui se continue. Mais il y a eu des améliorations aussi. Quand ça fait longtemps qu'on est là, c'est l'avantage, peut-être, de voir certaines améliorations. Donc, le fleuve a déjà été, euh, si on prend l'exemple du fleuve Saint-Laurent, il a déjà été euh, beaucoup plus menacé il a déjà eu beaucoup plus de pollution. Euh, par contre, il y a eu. Des nouvelles batailles. On parlait d'exploration, de, ga... le transport, l'exploration et l'exploitation gazière et pétrolière. C'est un gros dossier euh, dans la région du Bas-Saint-Laurent, dans l'estuaire. En fait, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord. Et puis, euh, très grosse bataille, mais on a gagné euh, à ce niveau-là. Euh, par contre, il y a des nouveaux projets dans le Saguenay. Il y a toujours une nouvelle, euh, un, un nouveau dossier qui peut nous préoccuper si on regarde euh, la question du Saint-Laurent. Mais il y a des améliorations, toutefois. Euh, et ça, dans la forêt, comme dans le Saint-Laurent, il euh, ça, ça, faut pas arrêter. Votre thermomètre à espoir, il serait où? Je suppose que c'est en haut, la note de passage, puisque je continue. C'est en bas de ça, je... mais euh, la note de passage, je, je... c'est difficile à dire, c'est entre... Euh, c je suis à minuit moins cinq depuis très longtemps, au minuit moins une, mais néanmoins, il reste une marge assez acceptable pour moi pour continuer. Ça fait longtemps qu'on est à minuit moins cinq, Je sais. C'est pour ça que je Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est minuit, là. Oui, mais il n'est pas minuit. Il n'est pas minuit. Merci beaucoup, Madame Baltazar. Plaisir.